Pas hésiter à écrire tes questions ou en commentaire si toutefois vous avez gagné. Nous sommes contents pour nous capables de répondre yo, selon Jean Bon Dieu Libanon, opportunité. Nous avons deux mots hébreux qui aident nous comprendre le sens de l'adoration. Nous avons le premier mot hébreu, c'était Segad. Et le deuxième mot hébreu, c'était Shaka. Je dis à nous pour un troisième mot hébreu qui aide nous comprendre le sens de l'adoration. Pablier nous dit que c'est extrêmement important pour que nous comprenions qui sa adoration est, parce que nous créons pour nous capables d'adorer. Et c'est là que nous arrivons à comprendre vraiment le sens de l'adoration que nous sommes capables de gagner un réveil extraordinaire qui éclatait dans l'église bon Dieu, dans le temps d'adoration. Et moi-même, moi, trois fois, yon réveil éclaté dans mi temps peuple bon Dieu a dans l'adoration. Troisième mot hébreu n'a bien pour nous, ouais, c'est le mot shaka. S-H-A-K-A-H. S-H-A-K-A-H. C'est le mot shaka. C'est troisième mot hébreu qui aide nous comprendre le sens de l'adoration. Donc, mot ça qui ça veut dire, il veut dire se courber soi-même pour rendre hommage et honneur. Se courber soi-même pour rendre hommage et honneur. C'est le mot shaka, un mot hébreu qui aide nous pour nous comprendre le sens de l'adoration. Moi pratiquement le mot ça pour ingrédient que moi trouvé qui gagne dans le mot ça. Se courber soi-même. Se courber soi-même, ça veut dire descendre moi-même. Et on a pas que moi ouais à partir de mot ça, l'on comprendre ça qui est adoration. Adoration pas marcher avec orgueil. Adoration pas marcher avec le moi. Mais adoration marcher avec humilité. Mot ça fait penser à humilité, se courber soi-même. Me courber moi-même. Tout ça m'yé, moi koube m, tout ça m'possédé, tout ça m'taka représenté, moi koube tout net devant bon Dieu. Ou capable faire un peu l'étude, ou capable gain licence, ou capable gain doctorat, ou capable gain post-doctorat, mais devant bon Dieu, ou supposé koube ou supposé fléchir ou devant bon Dieu. C'est ça l'adoration. Adoration, c'est oublier tout ça moi-même moyen, tout ça moi t'as capable de représenter, peu importe formation intellectuelle que me gagne, peu importe rang social que me gagne, peu importe niveau économique que me gagne. Mais même Jean-Paul te dit, regardez tout bagage ça yo comme la boue, tout bagage ça regardez comme fatra à cause de excellent nom Jésus-Christ. Et ou descend nous ou courber devant bon Dieu pour rendre hommage pour rendre honneur à Dieu. Rendre hommage, rendre honneur. Donc, hommage, nous connaissons par exemple, le gagnant yon grande figure dans la société qui accomplit de bagay qui très remarquable et yon décide de rendre yon hommage avec Mounsa. Ou bien yon moun qui te marqué le temps, qui te marqué son époque, puis Mounsa Ali, il n'a pas existé encore, et puis yon décide de rendre yon hommage avec Mounsa. Donc, selon ça, Mounsa Ali représente, c'est autant de dimensions d'hommage que yon a gagné pour yon avec Mounsa. Il y a deux bagages extraordinaires que yon moun représente, yon moun réalise, le a rendre hommage avec Mounsa. Yo gon façon pour yo faire cérémonie ça, yo gon façon pour yo organiser. Donc imaginez-vous que vous allez rendre hommage à Dieu. Vous allez rendre hommage à Dieu. Se courber soi-même pour rendre hommage et honneur. Là nous réunis pour nous adorer, nous pas réunis pour nous chanter. Mais nous juste utiliser chant yo comme une façon pour nous rendre hommage à Dieu. Nous juste utiliser chant yo en pile fois pour nous montrer respect, pour nous exprimer respect, pour nous exprimer l'amour que nous gagnons pour bon Dieu. Donc chanter, li aller plus loin qu'un simple chant. Chanter pas représenter grand-chose vraiment dans l'adoration par rapport à ce que représente l'adoration. Chanter c'est juste un élément dans l'adoration, c'est juste un grain de sable par rapport à ce que représente l'adoration.
Donc, le m'a adoré bon Dieu, m'a exprimé le respect pour Dieu, m'a exprimé mon amour pour Dieu, m'a bail hommage à Dieu, m'a servi lui, m'a travail pour lui, m'a permettre que le royaume n'en grandit plus chaque jour. Donc, c'est ça l'adoration. Nous avons trois mots hébreux. Le mot Segad, le mot Abad, le mot Shaka. Si c'est à peine tombé sous cette vidéo, ça, il y a deux autres vidéos. Dans la première vidéo, parce que c'est une série que nous avons présentée, dans la première vidéo, nous avons parlé du premier mot hébreu qui c'était Segad. Dans la deuxième vidéo, nous avons parlé de Abad. Et ça, c'est la troisième vidéo dans la série, nous avons présenté le mot Shaka. Donc, si vous pouvez regarder deux autres vidéos, nous invitons capable de faire ça pour que vous soyez capable de gagner une idée qui est plus ou moins large de ça que nous avons discuté déjà sous adoration. Restez branchés, nous avons venu pour nous capable présenter trois mots grecs. Nous avons trois mots hébreux, mais nous allons gagner pour nous présenter trois mots grecs qui aider nous comprendre davantage le sens de l'adoration.